Il y a des poubelles de partout. Ça ramène des rats. On ne peut plus marcher sur les trottoirs, ils sont encombrés. Les gens mettent des feux sur les poubelles, ça crée des incendies. Ben, j'espère que ça va bientôt finir. Hein. Mais je vois pas quelqu'un à 65 ans avec un balai dans la main, dans la rue, qui commence à 4h du matin avec moins 5 dehors. Enfin, je sais pas, ça va être un peu dur, je pense, quoi, quand même. Enfin, faut penser, quoi, que le froid, tous les jours. Déjà, on subit pas mal, hein, on se lève tous les jours à 4h du matin, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Mais bon, si on a gain de cause, ils vont sûrement nous refaire un arrêté juste derrière, comme vendredi dernier. Quoi. Ils vont enchaîner un arrêté, ils peuvent en faire indéfiniment des arrêtés. Donc on va voir ce qui se passe. Les gars sont toujours motivés, ils sont toujours prêts à faire grève de longue durée. Donc on est toujours dans le mouvement, on est toujours motivés pour la grève. D'urgence et d'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité, à la sécurité publique, de recourir à cette réquisition. Oui, là, rien n'est changé, reste 65 ans, car... Les exigences de justice, je pense que nous les avons prises en compte. Et ma troisième réflexion, c'est de dire que nous devons être conscients que dans un monde ouvert, il ne peut pas y avoir une exception française qui permette tout à la fois des régimes spéciaux qui partent à 52 et 55 ans, et qui n'existe dans aucun autre pays, et en même temps 35 heures, et le départ général à 60 ans. Si c'est cela, eh bien on peut parier sur le déclin du pays. Et moi, ce qui... Autre question ? Oui ? Le bilan est positif. Nous avons fait une forte mobilisation où ce matin nous étions entre 500 et 600 dockers et agents du Grand Port Maritime. On a fait une démonstration de force et d'unité dans les deux professions. Et je pense que c'est une victoire.